Salut à tous, une vidéo qui sera intégrée à un article Vieux Geek. Il est 10 h du soir presque quand j'enregistre la vidéo, donc c'est pour ça que je suis en décontracte. Je vais vous parler de MS Office 4.3. Eh oui, l'un des premiers MS Office, enfin la seconde génération de MS Office, qui est sorti en 1994. Oui, ça fait un petit quart de siècle à 2 ans près. Pour 2 ans, on va pas non plus chipoter. Comme d'habitude, vous trouverez un article vers le lien Vieux Geek, article Vieux Geek, le 72e épisode d'ailleurs, si je ne me trompe pas maintenant, déjà. Pourquoi déjà. Pourquoi je n'avais pas envie de parler de MS. Ah, voilà. Pourquoi j'avais pas parlé de MS Office 4.3? Parce que c'est le premier que j'ai utilisé. Comme j'explique dans l'article, j'ai utilisé quand j'ai passé quelques mois à l'armée, n'est-ce pas? J'étais fait partie de la dernière génération qui s'est appelée le service militaire obligatoire, merci beaucoup. Et à l'époque, quand j'étais à l'armée, on avait des vieux machins, des vieux Tromblon, des 486 et parfois des Pentium, mais c'était vraiment pour les services bien dotés qui étaient sous Windows 3.1, qu'on avait 4 voire 8 mégas de mémoire vive pour les grosses machines. Et bien sûr, Windows 3.1. Donc, je crois que je l'ai déjà dit. Donc, on avait vraiment des machines et Tromblon. Et déjà à l'époque, je m'occupais un peu de la maintenance informatique, sous la férule gentille de responsable d'informatique qui était aussi un appelé comme moi. Et quand on devait se taper la réinstallation, il me disait: Bon, bon, les 29 disquettes, tu te tapes la réinstallation de MS Office. Oui, 29. Un paquet comme ça haut de disquettes. Et là, je peux vous dire, même si on n'est pas croyant, on avait envie d'aller brûler un cierge à l'église du coin pour éviter de se tomber avec une disquette pourrie. Donc, trêve de bavardage, voilà à quoi ressemblait MS Office à l'époque. Attention, ça pique les yeux. Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser qu'à l'époque, on avait des écrans 14 pouces. Et quand on avait une résolution en 800 par 600, c'est que vraiment on était des Richard du Richard. Mais la plupart du temps, on avait 640-480, comme c'est le cas ici. Et là, je vais. Voilà. Donc, j'ai installé un Microsoft Office. D'ailleurs, vous, je vous montre un truc. Voilà. Il n'y a pas de clic droit sur Windows 3.1. La preuve, voilà. Je vous montre mes doigts. Voilà, ouais. Sais pas ce que je vais faire pour vous montrer. Voilà. Donc là. Désolé, c'est pas évident parce que là, je vais remonter un tout petit peu. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir voir, j'ai beau faire clic droit, rien ne se passe. Vous voyez, j'ai bien le clic droit. Clic gauche, c'est bon. Le clic gauche fonctionne, mais le clic droit, m'accache. Donc, comme vous avez pu le voir à l'époque, le clic droit ne fonctionnait pas. Presque pas. Même s'il a été introduit sur 95, on pouvait utiliser, enfin Windows 95, on pouvait un peu utiliser le clic droit grâce au logiciel Microsoft Office. Donc là, voilà à quoi ressemble Microsoft Office 4.3. Avec le conseiller de démarrage. Voilà. Avec la superbe interface graphique de Windows 3.1. Donc moi, mon logiciel chouchou, ça a toujours été Microsoft Word. Enfin, ça a toujours été le traitement de texte. Donc voilà à quoi ressemblait Microsoft Word 6. Ah, donc là, c'est Word 6.0. C'est, parce qu'il y avait des petites révisions, il fallait faire des regards, attention. Voilà, donc là, MS Word, blablabla. Et encore, j'ai bien doté la machine. Je lui ai foutu 16 mégas de mémoire vive, je crois me souvenir. Je vérifie. Oui, j'ai mis 16 mégas. Donc quand même, c'est déjà une machine bien costaude. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose de magique, le clic droit qui fonctionne. On va fermer. On va mettre affichage page. Voilà. On avait déjà les Polix, Times, New Roman, on avait Arial, on avait. Oui, on avait déjà les Polix Arial, on avait les Polix Courrier, on avait les Polix Corsiva.
Voilà, je vais mettre ça en plus gros. Voilà. Et on va le mettre en gras. Et on va le souligner. Voilà. Et là, on pourrait enfin utiliser le clic droit. La preuve en action. Je vais arriver à faire visionner ma main tranquillement. Alors voilà, je recule un peu. Clac, clic droit. Oui, regardez, je recommence. Clic droit, whiz, je recommence. Clic droit, whiz. Ah, désolé pour la caméra un peu cascadeuse, mais on avait enfin le clic droit. Quelle joie! On avait toujours l'enregistrement en 8 caractères plus 3 plus. Enfin, en 8 caractères plus le point, plus l'extension en 3 caractères. Fallait pas rêver non plus. Hein. Voilà, on pouvait faire pas mal de choses. On avait déjà un outil de grammaire. On pouvait insérer bien sûr des images, des notes. Non, déjà à l'époque, on avait un outil qui était déjà puissant. On pouvait afficher les caractères ou non imprimables. Bon, déjà, c'est déjà un outil très puissant pour l'époque. Langue, je pense qu'on pouvait changer. Voilà, on pouvait changer de langue au cas où. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Barre d'outils, oui, donc ça donne quoi, barre d'outils? Ah oui, on pouvait changer de barre d'outils, oui. Voilà, donc vous voyez, c'était quand même assez puissant pour l'époque. Il y avait aussi des modèles. On avait là dans les lignes. Clac. Voilà. on pouvait insérer un tableau. Boum. Et voilà, on avait le tableau. Donc je vais l'enregistrer et vous allez voir. Doc, un point doc. On avait 8 caractères maximum. Voilà, donc ça j'enregistre. On va lancer Excel. Bon, ça c'est très rapide, mais à l'époque c'était beaucoup plus lent. Voilà, Excel 5.0. Je ne sais pas combien il y avait de colonnes. Donc on va aller à CTRL fin. Ah, non, c'est pas ça, non. Dernière, non, c'est autre. CTRL maj fin peut-être. Non. Enfin, je ne sais pas combien il y avait de colonnes. Mais on devait quand même avoir un sacré paquet déjà à l'époque. Non, je ne sais pas. Si on devait déjà avoir 10 ou 15 000 colonnes, facile. Contrôle. Non, ça c'était pour. On avait jusqu'à 16 feuilles. Waouh! Je ne sais pas combien de colonnes on avait. Donc, bien sûr, je crois que c'est une des premières versions à insérer les tableaux croisés dynamiques. Ouais! On va annuler. Donc, on pouvait aussi. Vous voyez, on pouvait faire pas mal de choses déjà à l'époque. C'est Excel, quoi. Donc, c'est déjà l'usine à gaz à l'époque. Access. Voilà. Donc, non, PowerPoint. PowerPoint 4. Donc, on va choisir sommaire automatique. OK. Suivant. Voilà. Et voilà. On avait le conseiller qui s'affichait. Voilà, on pouvait faire affichage. Diapositive, voilà. Donc là, tac, 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 tac. On avait déjà des PowerPoint. Ouais! On va fermer celui-là. Non, merci. Access pour les bases de données. Donc c'est version 2.0 de Access. Voilà. On pouvait créer une base de données, crac. Les requêtes, les tables, bref. Tous les trucs classiques. Oula, c'est que c'est de mon processeur. Vous pouvez aussi créer des macros, donc je ferme tout ça. Et qu'est-ce que je n'ai pas montré? Ben, je vais tout montrer. Ah oui, il y avait aussi la première version du BBA, enfin, ce qui allait devenir par la suite le BBA, le Dialogue Editor. Donc on pouvait créer un nouveau. Voilà, on pouvait créer une fenêtre. Voilà. On va insérer une zone d'entrée. Voilà. On va insérer une zone de groupe. Voilà, qu'on va mettre là. On va insérer une zone de liste. Déroulante. Voilà.
On pouvait se faire son code après. Par contre, il n'y avait pas quoi le clic droit là-dessus, donc il fallait. Voilà. Ensuite, les propriétés. Voilà. On pouvait insérer une image. Mettre insertion automatique. Boum. Voilà. Donc, vous voyez, on pouvait déjà créer un truc en mode graphique. Donc là, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais on pouvait pas insérer de trucs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais montrer les principaux trucs. Hein. Donc on avait bien sûr les dents en ligne. On avait le fichier qui aidait pour les personnes qui venaient Excel 4 pour commencer à savoir utiliser Excel 5. Donc là. Voilà, par exemple, tableau d'apprentissement. On parlait déjà à l'époque en français, bien sûr. Là, 11%, un taux d'intérêt. C'était quand même pas mal ce qu'on pouvait faire à l'époque. Par contre, il était quand même assez gourmand pour l'époque, parce que je crois qu'il pèse dans les 100 mégas. Ah, par contre, là, je vais faire Alt Entrée. Non, c'est pas sûr, c'est ce que je voulais. Il devait faire dans les 100 mégas. Alors, on va sortir tout de suite. Bien sûr, il n'y a pas le clic droit, ça c'est ennuyeux. Donc, si on va ouvrir nos commandes MS-DOS. Alors, nous avons dit CD, oui, normalement. DIR. Alors, je crois que c'était. Je ne sais plus comment c'était la commande. Bon, on va voir. Help. Alors, voyons. Je ne m'en rappelle plus parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai plus utilisé. Three device, paramètres. Précise, commutateur, c'est par écran. Je ne me rappelle plus comment on faisait pour afficher la taille. Peut-être tout. Non, je ne me rappelle plus, je pense que c'est pas bien grave. LTF4. LTFQ plutôt. Voilà. Donc, DIR MS Office. Bon, je ne sais plus combien il pesait, mais quand même, il était déjà bien gros. Enfin, déjà avec 29 disquettes, 29 fois 1,5, ça faisait. Donc, 29 fois 2, ça fait 58. Donc, ça devait faire à peu près dans les 50 à 60 mégas installés. Pas mal, hein? À moins que je puisse l'avoir cela. Option. Affichage. Propriété peut-être. Donc on va savoir combien peser par exemple WinWord. Indiqué, mais ça devait quand même peser pas mal. Voilà. Donc là, et c'était le meilleur moment de la journée, c'est quand on faisait ça. Ouais! Voilà. Donc là, je vais éteindre la vidéo. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Désolé pour le côté un peu cascade. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye!